Je trouve que par rapport à ce qui est arrivé à Charlie Hebdo, c'est quelque chose d'horrible. Tuer des personnes qui se sont battues pour la liberté d'expression, la démocratie, tout au long de leur vie, c'est insupportable. Moi, j'ai connu encore cette période, je suis quand même d'un certain âge, où j'ai connu cette période où le droit d'expression n'était pas aussi évident. Et porter atteinte à ce droit d'expression, je trouve que c'est dramatique. Oui, je te disais que pour reparler de ce qui s'est passé mercredi, c'est atterrant, c'est-à-dire que des gens puissent toucher à ce qui nous paraissait intouchable, c'est-à-dire la liberté d'opinion, la liberté de conscience, la liberté de diffusion a été complètement atteinte. Et nous a atteint aussi dans notre chair parce que c'était des gens qui avaient ponctué mon adolescence, mes premières années d'université et plus, quoi. Donc, on pensait qu'en France, effectivement, de ce point de vue-là, tout était plus ou moins permis. Il s'avère que ça n'est pas le cas, ou qu'en tout cas, certaines personnes, certaines idéologies ont décidé que ça ne serait pas le cas. Voilà. Donc, c'est beaucoup de tristesse, et en même temps, l'idée que trop de tolérance provoque l'intolérance. Alors, une tolérance due, je crois, davantage à la paresse, à la lâcheté, à l'ignorance, au manque d'acuité. Et nous sommes tous responsables, au fond, de la mort de ces 12 types. Ce n'est que, comme tout le monde, moi je suis un petit peu désolé qu'il y ait encore des gens sur Terre qui ne sont pas d'accord avec tout le monde et pour lesquels leur moyen d'expression s'est tiré dans le tas. Alors qu'à mon avis, il y a plein d'autres moyens de pouvoir se faire entendre et se faire comprendre. Je suis d'autant plus triste que, quelque part, Cabu et Wolinski, c'est un petit peu toute ma jeunesse. Moi, je suis né avec le Grand Duduche. Je disais ça quand j'étais gamin. Et c'est vrai que c'est des gens qui existent pour moi depuis que je suis tout petit. Alors, je pense aussi aux autres, puisqu'il n'y avait pas que eux. Mais c'est quelque part, ça me touche encore plus parce que c'est des gens qui... À un moment donné, on ne serait-ce que par ce que je lisais, on fait partie de mon environnement. Et je trouve dommage, encore une fois, que y ait des extrémistes qui, malheureusement, jouent un petit peu sur la peur, sur le terrorisme, pour faire passer leurs idées et qui réussissent pas à trouver d'autres moyens pour dire qu'ils sont pas d'accord. Avec des caricatures, parce que c'est des clowns en fait, les mecs de Charlie Hebdo. Jamais ils ont voulu faire de mal. Ils veulent juste dénoncer avec leurs mots, avec leurs dessins, avec leurs articles, des choses qui leur semblent pas nettes sur Terre. Et c'est dommage d'en arriver là. Alors vous avez envoyé un certain nombre de dessins où on voit des garçons, des filles qui soulèvent des haltères. Et c'est pas ça la solution. Derrière toi. Alors d'abord, tu vas donner la solution. Alors notre solution, c'était ça. Ça se passe au zoo, hein? Oui. Il va prendre la température de. Ouf. À la girafe. Ah. Voilà. Je sais pas comment c'est fait une queue de girafe, monsieur, comme ça. Hein. Bon, ça ressemble à ça, ouais. C'est un petit peu plus court. Vous avez de ces idées, maître Cabu, quand même. Non, il est lourd, alors le thermomètre, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? La profonde émotion et. Du mercure. Une véritable consternation. Et très vite, moi, je me suis mis à penser à Sharp, qui est le directeur de rédaction, si je ne me dis pas de bêtises, de Charlie Hebdo, qui est pour moi quelqu'un dont je me sentais très très proche politiquement, même de par la sensibilité. Et c'est vrai, car je ne veux pas faire un témoignage forcément trop personnel non plus, mais voilà, je pense qu'on est de très très nombreux enfants Charlie Hebdo qui ont été influencés par cette pensée-là complètement subversive, complètement décalé et qui surtout visait à défendre des valeurs comme le refus de l'obscurantisme, le refus des discriminations, le refus des oppressions, etc.
C'est tout ça ce qu'incarne Charlie depuis le début. Contrairement à ce qu'on peut croire, Charlie n'a jamais moqué les musulmans, pas plus que les juifs, pas plus que les catholiques. Charlie se moquait et j'espère continuera l'aventure et continuera à se moquer des intégrismes, des fanatismes. Et voilà, je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir à mon avis de l'aventure de Charlie Hebdo. J'espère qu'elle se poursuivra. Et c'est vrai que moi personnellement, je lis Charlie Hebdo depuis 15 ans, j'ai quasiment pas raté un numéro. Et c'est vrai que j'en pense qu'on est très nombreux dans ce cas-là à être bouleversés par cette terrible nouvelle. Quoi. En plus, là, c'est même carrément l'institution Charlie Hebdo qui est menacée. C'est pas simplement, ça va au-delà, à mon avis, du meurtre de journalistes, en fait. C'est carrément une institution qui a. Enfin, voilà, c'est un peu. J'ai un peu beaucoup de choses qui se bousculent dans notre tête actuellement. Donc, c'est vrai que. D'une part, l'acte est absolument ignoble et inqualifiable, et d'autre part, on ressent beaucoup de peine parce que c'est des personnalités vraiment attachantes que je ne connaissais pas, hein, que je n'ai pas eu la chance de rencontrer. Mais oui, je pense que c'est le genre de personnes qu'on aurait vraiment aimé connaître, pas mal de gens de ma génération. Nous sommes tous en deuil aujourd'hui, car ce sont nos valeurs les plus fondamentales qui ont été meurtries. Je désapprouve ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Voltaire. C'est notre liberté, pilier de la République, pilier sur lequel s'est érigée la France, qui vient d'être ébranlée, mais que rien ne saurait détruire. Peu importe le pourquoi. Rien ne justifie la barbarie. Rien ne justifie qu'une vie soit arrachée. Les raisons de la cruauté ne sont jamais que des prétextes, et plus encore quand elles se prétendent religieuses. La religion est ce qui relie, ce qui rassemble les hommes autour de valeurs et de croyances communes. Elle est, dans son essence, un message d'amour et de paix. Une religion qui sépare, qui détruit, qui assassine ne mérite pas le nom de religion. Elle est une attaque au fondement même de la religion. Ne tombons pas dans l'amalgame facile qui engendrera la haine dans laquelle le fanatisme aime à se déployer. Ne jouons pas le jeu de la haine. Ce n'est pas la religion qui est ici coupable de tous les maux. Les musulmans ne sont pas des terroristes et leur religion ne contient en aucune façon la justification de tels actes. Pire, ces actes sont une attaque directe à l'islam. En détruisant une vie, pourtant jugée sacrée, ils souillent le Dieu qu'ils prétendent défendre. C'est aux musulmans et aux non-musulmans aujourd'hui d'opérer une révolution spirituelle et de sauver l'islam des ombres qui la guettent, islam qui porte en son sein un cancer qui la tue. Le risque aujourd'hui est de tomber dans l'islamophobie. Le corps enseignant doit être particulièrement vigilant à cet égard. Les élèves doivent être informés. Ils devraient être ouverts à la question religieuse. Laïcité ne rime pas avec athéisme. Le religieux n'est pas tabou et on devrait pouvoir en débattre en connaissance de cause. Connaître la religion et la reconnaître comme un fait social nous permettra peut-être d'éviter l'intolérance d'un côté et les fanatismes de l'autre. Craignons toujours les excès où conduit le fanatisme, qu'on laisse ce monstre en liberté, qu'on cesse de couper ses griffes et de briser ses dents, que la raison si souvent persécutée se taise. On verra. Les mêmes horreurs qu'au siècle passé, les germes subsistent. Si vous ne l'étouffez pas, il couvrira la terre. Voltaire. J'ai pas peur de toi, l'extrémiste, qui vient descendre nos journalistes. Crois-tu passer pour un croisé en butant nos gardiens de la paix? Penses-tu vraiment avoir des couilles quand c'est ton frère que tu zigouilles? Pendant qu'à terre il t'implorait, c'est bon chef, j'en ai eu assez. Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Un coup de calage pour un coup de crayon,